Good morgen, allez, Iden, et Shusra aujourd'hui, le Nishmat, Fortuné Mazal, Bat Louisa, et Richard Aaron, Ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine queue de Michel, contactez les 5 minutes et terminez. Nous étions au Serpent Mila Perigvet, Michabet. Kraa Serugin, Umit Namnem, Yatsa. Aya Kotva, Dorsha, Umagia, Yimki Anilebo, Yatsa, Vimlavlo, Yatsa. Aita Ktuva, Besam, Ubasikra, Ubakomos, Ubekankantum. À la niar et à la diftera, lo yatsa architectura ashurit, à la sefer ou badio. Kraa serugin, on commence depuis le début du deuxième chapitre, on a commencé à parler des lois de la lecture de la Megillah, la manière de le lire, avec à présent Kraa serugin. Il a lu en serugin, avec, comment ça dit, en intermittence, il a lu avec interruption. Il y a un petit pasouk, et il s'arrête, il rêvasse, il y aura un deuxième pasouk. Il a lu comme ça, doucement, il met même 3 heures pour la lire avec des interruptions folles. Yatsa, il s'est acquitté. Tu n'as pas le droit de la lire dans le désordre, mais tant que tu la lis dans le bon ordre, même si tu étales ça en très longtemps, eh ben, on s'acquitte de la mitzvah, d'accord? Même si ça a duré très très longtemps comme pause. Le temps de la finir entièrement, on s'acquitte quand même. Ensuite, Aya Kotva, alors là, situation originale. Il était en train de l'écrire, Dorsha, et de la... de l'interpréter, de l'analyser, ouais, de faire une étude de texte, ou Magiha, ou encore en train de la corriger, Im Kiveni Boyatsa, Im Lavloyatsa. S'il a eu l'intention, je traduis pour le moment, il a lu avec intention, il s'acquitte, mais Im Lav, et sinon, il ne s'acquitte pas. De quoi on parle? Bon, en fait, que quelqu'un, il est en train de lire la Megillah, mais pas avec la scène officielle, ou en train de la lire en public, il est là, tout seul en train de la lire. Je suis bien imaginé, il est en train de l'écrire. Alors là, attention, fais attention à quelque chose. Il a une Megillah posée devant lui, et il a une deuxième Megillah qui est en train d'écrire. Vaïe, bimé, et comme ça, il a écrit toute la Megillah pendant tout Pourim. Ça lui prend, peu importe, 1 heure, 2 heures. Et bien, il s'acquitte de ça, de la lecture, mais à condition qu'il avait une Megillah devant lui, parce que il faut lire la Megillah à partir du texte, c'est pas par cœur. Alors, s'il est en train d'écrire une Megillah, les premiers psukim qu'il est en train de lire, il n'est pas en train de les lire dans une Megillah. Puisque la Megillah, il est en train d'écrire, elle n'est pas encore écrite. Lire une Megillah, ça veut dire que tu as tout le texte qui est écrit devant toi. Là, tu as une Megillah. Si tu as un texte du parchemin blanc que tu as commencé à écrire, vaïe, c'est pas encore une Megillah. Bimé, c'est toujours pas une Megillah. Puisque quand tu arrives à la fin de la Megillah, alors là, tu as une Megillah devant toi, mais tu as déjà lu. Donc, tu ne t'es pas acquitté. Donc, il faut dire qu'il a une Megillah posée devant lui et qu'il recopie. Vaïe, et il écrit vaïe. Bimé, et comme ça, il écrit. Ou bien encore, il était en train de l'interpréter, de l'analyser, de faire une étude de texte, de psukim, de trouver le sens. Ouais, mais il a réussi à lire tous les mots. Ou Magia ou encore en train de corriger, il avait une Megillah en train de vérifier, est-ce qu'il n'y a pas eu de faute. Et comme ça, il est en train de... Là. Ouais. Eh bien, s'il a eu, alors littéralement, Im Kiven Libo, il y a deux interprétations dans ça. On va d'abord rapporter celle du Bartanoura, qui est aussi rapporté dans le Tosafot Yom Tov et dans le Tiferet Israël. Parce que celle qui est fixée dans l'Alacha, c'est qu'il faut mitzvot tzichot kavana, il faut avoir intention de s'acquitter de sa mitzvah. Donc la Mishnah nous dit, si Im Kiven Libo Yatsa, s'il a eu l'intention de s'acquitter de sa mitzvah, il s'acquitte. Sinon, il ne s'acquitte pas. S'il a lu juste en guise de correction, sans aucune intention d'accomplir sa mitzvah, il ne s'acquitte pas. Et une deuxième interprétation dans ça, je crois que c'est rapporté dans l'Igma ici, qu'on n'a pas besoin d'avoir l'intention de s'acquitter de sa mitzvah pour s'acquitter, mais il faut avoir l'intention de lire correctement. Parce que quelqu'un qui est en train de corriger, les correcteurs, c'est très fréquent qu'ils vont. Vous savez, quand quelqu'un qui va lire, qui va corriger une dictée en français avec les lettres qu'on rajoute qui ne servent à rien, eh bien, quelqu'un qui va corriger, il va s'amuser avec les mots qui se terminent je mangeais, AIES. Donc il va faire avec ses. Ouais, toutes les mimiques qu'on va faire. Du coup, il va déformer les mots. Donc, s'il ne fait pas attention à bien prononcer les mots, il ne s'acquitte pas. La même chose avec quelqu'un qui va corriger, par exemple. Imaginez, quelqu'un, c'est fréquent chez les correcteurs de Mezuzot. Il y a une fois Mezuzot, Betecha, dans la première paracha ou dans la deuxième paracha, une qui est écrite avec un vav, et une qui est écrite sans vav. Donc, imaginez, il va faire mal Mezuzot. Allô, parce que pour pouvoir corriger, il doit se rappeler qu'il y a écrit ici Mezuzat, et pas Mezuzot. Même si concrètement, ça serait toujours Mezuzot. D'accord? Donc là, il sait pas, il n'a pas prononcé les mots comme il fallait. Ça, c'est une deuxième interprétation de c'est quoi que Kiven Libo. Il a eu l'intention de lire correctement. Ok? Ensuite, deuxième partie de la Mishnah. Aïta Ktuva Basam. Si elle était écrite, Basam. Alors là, on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4 sortes de mauvaises encres.
et deux sortes de mauvais papiers, et la Mishnah va me dire qu'il ne s'acquitte pas, Ad Shetek Tuva, Ashurit al Sefer Obedio, qu'elle doit être écrite avec les lettres en hébreu, à la Sefer, sur un parchemin, et aussi Bedio avec une bonne encre. Et qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, on va les faire dans l'ordre. Etek Tuva, Bassam, si elle était écrite d'abord quatre sortes d'encre, de mauvaises encres, qui sont soit des encres qui s'effacent tout seules, soit des encres qui ne sont pas noires, en fait. C'est les deux principes. Je ne sais pas exactement c'est quoi la traduction de Aïtak Tuva, Bessam, si elle est écrite avec un Sam. Sam, c'est une notion en hébreu. C'est à partir d'une racine, je ne sais pas comment est-ce qu'ils faisaient, ce qu'ils faisaient une racine noire, ils écrivaient directement avec. Apparemment, en tout cas, ça, c'est une encre qui ne tient pas à la route, elle s'efface toute seule. Basikra. Sikra, c'est une encre qui est rouge. Ou bah Komos. Alors, Komos, c'est à partir d'une certaine sève, je ne sais pas, une gomme, il rapporte le porte noir. Shraf, qui est une shraf. Shraf, c'est de la sève. Et de la résine, plus précisément. Et Belaz gomme avec de la gomme. Je ne sais pas exactement comment il écrit, s'il fait brûler, et puis après, ça lui fait du noir. En tout cas, apparemment, j'imagine que ça a une mauvaise qualité d'encre, ça s'efface tout seul. Au Bakan, ou une terre, peut-être, je ne sais pas. Bakan Kantom, alors là, je sais encore moins ce que c'est, parce que là, si ça vous intéresse, il nous rapporte le Bartanora en Laaz. Je ne sais pas c'est quoi le Laaz du Bartanora, si c'était de l'italien. Vedriolio. Et à l'autre, il nous le fait en yiddish, si ça vous aide encore plus, c'est Cooper Vasser. Donc on n'a pas beaucoup avancé en fait. En arabe, ça se dit du zag. C'est plus facile à dire en tout cas. Mais en tout cas, bon, si vous rencontrez ça au marché, eh ben ne l'achetez pas pour qu'il y ait une Megillah, d'accord? Ensuite, Alaniyar. Alaniyar, alors l'aniyar, c'est du papier qui est fait avec des asabim. C'est vraiment comme le papier qu'on fait à notre époque, à base de végétal, initialement. Eh ben, c'est pas du bon papier pour écrire. Il va prendre des feuilles de papier, des bouts de papier, comme ça il va les coller. Ça ne s'acquitte pas. Et diphtéra, alors diphtéra, ça c'est une... C'est déjà, là on a déjà évolué. On s'est déjà rapproché du parchemin, mais ce n'est pas encore le parchemin. Si on prend la peau à l'état brut, il n'a pas travaillé, il a pris une peau d'animal, une grosse peau de cuir, comme ça, il écrit toute la Megillah à la barbare, sur un dessus, sur la... Ça s'appelle pas une Megillah, il faut l'écrire. À la Nia, à la Chetekloa, à la Sefer, à Shurit, Sefer et Dio. Qu'est-ce qu'il écrit donc avec la langue en hébreu, à la Sefer sur un papier en parchemin, ouais, sur un vrai claf, et Bédio, et avec de la bonne encre. De l'encre qui doit être faite à base de végétaux, il y a des... Alors, initialement, pour faire l'encre, ça m'est déjà arrivé, alors je l'ai déjà fabriqué une fois quand j'ai étudié la Gemara de Shabbat, je vais voir comment ça marche, et c'était super. Ça marche réellement, j'avais pris de la... Il y a deux trucs. Il faut d'abord une matière qu'on brûle qui va faire du noir, et puis après on ramasse cette matière noire avec, avec un produit, avec un liquide. Et en fait, il y a écrit dans le Shabbat, j'avais déjà fait le test, et ça a marché. Et j'avais pris un ustensile, j'ai mis de l'huile dessus, de l'huile d'olive, et j'ai brûlé avec une bougie. J'ai brûlé, ça fait tout noir. Après, j'ai pris une petite goutte d'huile, de nouveau de l'huile d'olive, et j'ai ramassé tout le noir, ça m'a fait une super encre. En fait, c'est comme ça qu'il fabriquait, avec ensuite des procédés pour que l'encre tienne mieux le coup, qu'elle ne s'efface pas, même qu'elle tienne dans les conditions de chaleur un petit peu et tout ça. En tout cas, c'est le principe, c'est comme ça qu'on fait. Et ça, c'est le duo comme ça qu'il fallait le faire. Ça apportait aussi un petit peu dans le Tosfot Top, comment fabriquer le duo en brûlant de l'huile. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite aussi un Pessah Kasher et Sameach. Rendez-vous, Bezat Hashem, à Yisru Chag, le Yom Rishon d'après Pessah. Kol, tout, c'est là, Pessah Kasher et Sameach. Ça va, c'était bien?